Section fifty four, page one hundred and two, disjunctive pronouns. Moi, toi. Lui, elle, nous, vous, eux, elle. Est-ce qu'il y a des lettres pour moi Je travaille en face de lui. Nous sommes partis sans eux. Il est plus petit que moi. qui parle anglais ici elle c'est lui qui écrit toutes les lettres vocabulary page 103 le président le président president le programmeur le programmeur computer programmer le poste de radio le poste de radio radio set le traité, le traité, treaty, la dactylo, la dactylo, typist, la femme de ménage, la femme de ménage, daily help, travailleur, travailleuse, travailleur, travailleuse, hard working, paresseux, Paresseuse. Paresseux. Paresseuse. Lazy. Casser. Casser. To break. Section 55, page 104. The verbs savoir and connaître. Savez-vous où est Paul? Je sais à quelle heure le train part. Je connais. Tu connais. Il connaît. Nous connaissons. Vous connaissez. Ils connaissent. J'ai connu. Je connais Paul, mais je ne sais pas où il habite. Vous connaissez Paris? Vocabulary, page 104. L'oncle. l'oncle, uncle, la tante, la tante, aunt, la machine à écrire, la machine à écrire, typewriter, libre, libre, free, occupé, occupé, busy, vocabulary, page 105, le cas, Le cas. Case situation. Les gens. Les gens. People. La visite. La visite. Visite. La porte. La porte. Door. La retraite. La retraite. Retirement. Au-dessus de. Au-dessus de above chez chez at someone's home or shop bonsoir bonsoir good evening justement justement just si si emphatic yes used after a negative Si. Si. So. À propos. À propos. By the way. À mi-temps. À mi-temps. Part time. Tout de suite. Tout de suite. Immediately. Trop. Trop. Tout. Inattendu inattendu, unexpected, bruyant, bruyant, noisy, dérangé, dérangé, to disturb, arranger, arranger, to suit, frapper, frapper, to knock, penser à, penser à, To think of thoughts. Penser de. Penser de. To think of opinion. Espérer. Espérer. To hope. Conversation, page 106. Une visite inattendue. Bonsoir, Nicole. J'espère que je ne te dérange pas. Pierre, bonsoir. Je pensais justement à toi. Tu n'es pas trop occupé? Non, non. J'écrivais une lettre quand tu as frappé à la porte. Ah bon? À qui est ce que tu écrivais? Aux Dupont. Les Dupont. Je ne les connais pas. Mais si. Les Dupont sont les gens qui habitaient au dessus de chez nous à Paris, qui voyageaient beaucoup et dont les enfants étaient si bruyants. Ah. Oui. Je ne les connaissais pas très bien. À propos, comment va ton travail? Pas trop bien. Si seulement je pouvais travailler à mi temps, ça m'arrangerait bien. Qu'est ce que tu ferais de tout ce temps libre? Je peindrais, je dessinerais, Michel et moi nous sortirions plus souvent, nous irions au cinéma, au restaurant, je ferais du sport, J'apprendrai l'anglais, je lirai tous les livres que j'ai achetés l'année dernière, je... Tu ferais mieux de prendre ta retraite tout de suite. Une visite inattendue. Bonsoir Nicole, j'espère que je ne te dérange pas. Pierre, bonsoir, je pensais justement à toi. Tu n'es pas trop occupé Non, non, j'écrivais une lettre quand tu as frappé à la porte. Ah bon À qui est-ce que tu écrivais Au Dupont. Les Dupont Je ne les connais pas. Mais si Les Dupont sont les gens qui habitaient au-dessus de chez nous à Paris, qui voyageaient beaucoup et dont les enfants étaient si bruyants. Ah oui Je ne les connaissais pas très bien. À propos, comment va ton travail oh, Pas trop bien. Si seulement je pouvais travailler à mi-temps, ça m'arrangerait bien. Qu'est-ce que tu ferais de tout ce temps libre Je peindrais, je dessinerais. Michel et moi, nous sortirions plus souvent. Nous irions au cinéma au restaurant. Je ferais du sport, j'apprendrais l'anglais. Je lirais tous les livres que j'ai achetés l'année dernière. Je... <laughs> tu ferais mieux de prendre ta retraite tout de suite. Lesson Section 56, page 108. Demonstrative pronouns. celui ce, celle, celle. Je préfère mon médecin à celui qui est venu ce matin. Cette infirmière est celle qui a pris votre tension. J'ai apporté vos comprimés et ceux de votre mari. Celui-ci, celui-là, ceci, ceux ceux-là. Celle-ci, celle-là. Celle-ci, celle-là. Cet hôpital-ci ou celui-là. Quelle ambulance préférez-vous, celle-ci ou celle-là? Quel médicament prenez-vous, ceci ou cela? Ceci, cela, or oh, ça. Vocabulary, page one hundred and nine. Le rhume, le rhume, cold. Le coeur, le coeur, heart. Le prince, le prince, prince. Le chirurgien, le chirurgien, surgeon. Le la Kinésithérapeute. Le la kinésithérapeute, physiothérapeute, le pharmacien, le pharmacien, chemiste, le rendez-vous, le rendez-vous, appointment, la greffe, la greffe, transplant, la soeur. la sœur sister la princesse la princesse princess la pharmacienne la pharmacienne chemist moderne moderne modern effectuer effectuer to carry out section 57 page 110 possessive pronouns Le mien, les miens. Le tien, les tiens, etc. La mienne, les miennes. La tienne, les tiennes, etc. Examples, page 111. Le garçon a apporté votre soupe, mais pas la mienne. Voici son croissant. Mais où est le vôtre? Notre jambon est très bon. Comment est le leur? Ma bière est excellente. Est-ce que la vôtre est bonne aussi? J'ai payé mon café, mais je n'ai pas payé les leurs. Section 58, page 111. More interrogatives. Single examples for what, who, whom which one whose quoi à quoi pensez-vous quel quel est votre nom qu'est-ce qui délicieux qu'est-ce qui est délicieux qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez comme légumes que? qu'avez-vous comme légumes? quoi? quoi? le service n'est pas compris? quel? quel repas? qui? qui est-ce qui? qui est-ce qui a réservé la table? qui? qui est-ce que qui est-ce que vous avez payé? La serveuse? Lequel? Laquelle? Lesquels? Lesquels? Voici trois bouvins. À votre avis, lequel est le meilleur? Toutes les tables sont libres, madame. Laquelle préférez-vous? Des légumes? Oui. Lesquels voulez-vous? A qui? qui est ce dessert Vocabulary Page 113 Le Barman Le Barman Barman Le Whisky Le Whisky Whisky Le Poisson Le Poisson Fish le repas le repas meal le couteau le couteau knife le chapeau le chapeau hat la fourchette la fourchette fork la cuillère la cuillère spoon les baguettes les baguettes chopsticks frais fraîche frais fraîche fraîche chinois chinois Chinese italien 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 commandez commandez To order. Irregular verbs, page one hundred and fourteen. Sentir. Sentir. To smell. Je sens. Tu sens. Il, elle sent. Nous sentons. Vous sentez. Il, elle sente. Partir. Partir. To leave. Je pars, tu pars, il, elle part, nous partons, vous partez, il, elle partent. Servir, servir, tu serve, je sers, tu sers, il, elle sert, nous servons vous servez ils elle servent payer payer to pay note how the spelling change in this regular verb ensures that the pronunciation is kept regular je paye. tu payes. il elle paie nous payons vous payez ils elle paient section 59, page 115, more adverbs. adverbs of time. tôt, tard, maintenant, tout de suite, immédiatement, ensuite, toujours, hier, aujourd'hui, demain, ce matin, cet après-midi, ce soir, souvent, rarement, Adverbs of Place. Ici, là, là-bas, à droite, à gauche, en haut, en bas, partout. Adverbs of certainty and doubt. sûrement, certainement, peut-être, probablement. Adverbs of manner. bien, mal, ensemble, surtout, exprès, vite, rapidement, lentement, déjà, encore. Section 60, page 117. The position of adverbs. Il parle rarement anglais. Elle va souvent au théâtre. Vous avez bien répondu à la question. Je n'ai pas encore lu votre lettre. Votre frère est déjà parti? Je vais écrire la lettre maintenant. Vocabulary. Page 117. Le bain. Le bain. Bath. Neiger. Neiger. To snow. Pleuvoir. Pleuvoir. To rain. Taper à la machine. Taper à la machine. To type. Exercice 52, page 117. Elle tape vite à la machine. Elle tape lentement à la machine. Il chante bien. Il chante mal. Ne parlez pas si fort. Ne parlez pas si bas. Il va rarement chez ses parents. Il va souvent chez ses parents. Nous n'avons pas encore mangé. Nous avons déjà mangé. Il va peut-être pleuvoir ou neiger. Il va sûrement pleuvoir ou neiger. Elle prend un bain en haut. Elle prend un bain en bas. Elles feront les courses demain. Elles ont fait les courses hier. Vocabulary, page 118. Le mariage. Le mariage. Wedding, marriage. Le mannequin. Le mannequin, model dummy. La veste, la veste, jacket. La taille, la taille, size. La couleur, la couleur, color. La mode, la mode, fashion. La laine la laine wool la vitrine la vitrine shop window la vente la vente sale bleu marine bleu marine navy blue gris clair gris clair light grey pur Pure, pure. Court, court. Short. Long, longue. Long, longue. Long. Heureusement. Heureusement. Fortunately. Malheureusement. Malheureusement. Unfortunately exactement. 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 le dernier cri. le dernier cri. the latest fashion. être en train de. être en train de. to be in the middle of doing something. essayer. essayer. to try, to try on ne, verbe, que. ne, verbe, que. only. plaire, plaire. to please, the present tense. je plais, tu plais, il, elle, plaît, nous plaisons, vous plaisez, il, elle, plaise. Perfect. J'ai plu. Conversation. Page 119 Une veste, dernier cri. Bonjour, madame. Je vais à un mariage la semaine prochaine. Heureusement, pas le mien. Et je voudrais acheter une veste une veste très chic une veste dernier cri oui quelle est votre taille monsieur en angleterre je fais du quarante deux quelle couleur préférez-vous je veux surtout une couleur à la mode eh bien j'ai cette veste ci en bleu marine en pur laine et celle-là en gris clair hmm. j'aurais préféré une veste comme celle que vous avez en vitrine, elle me plaît beaucoup. Malheureusement, je n'ai plus votre taille, monsieur. Je n'ai que des petites tailles. Et celle sur le mannequin, ici, dans le magasin. C'est aussi une petite taille. Je pense qu'elle sera trop courte pour vous. Mais regardez. Regardez celle-là. C'est exactement ce qu'il me faut. Je vais l'essayer tout de suite. Non, 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 monsieur. Cette veste-là n'est pas en vente. Elle est à ce monsieur là-bas qui est en train d'essayer un costume. Une veste, dernier cri. Bonjour, madame. Je vais à un mariage la semaine prochaine, heureusement pas le mien, et je voudrais acheter une veste. Une veste. Très chic, une veste dernier cri. Oui, quelle est votre taille, monsieur euh, En Angleterre, je fais du 42. Quelle couleur préférez-vous Je veux surtout une couleur à la mode. Eh bien, j'ai cette veste-ci, en bleu marine, en pur laine, et celle-là, en gris clair. Mmh. J'aurais préféré une veste comme celle que vous avez en vitrine, elle me plaît beaucoup. Malheureusement, je n'ai plus votre taille, monsieur. Je n'ai que des petites tailles. Ah et celle sur le mannequin, ici dans le magasin? C'est aussi une petite taille. Je pense qu'elle sera trop courte pour vous. Mais regardez, regardez celle-là. C'est exactement ce qu'il me faut. Je vais l'essayer tout de suite. Non, 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 monsieur. Cette veste-là n'est pas en vente. Elle est à ce monsieur là-bas qui est en train d'essayer un costume.